Yo les gens, c'est Isoka et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Naruto Blazing. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je passe la map numéro 9 et 10 sur Naruto Ultimate Ninja Blazing. La map 9 et 10 du Ninja Road. Surtout la map 9, on causait beaucoup de problèmes, voilà, dans la communauté. Voilà, les joueurs ont beaucoup bloqué sur cette map, je comprends, c'est vrai qu'elle est pas facile. Je vais vous montrer la méthode que j'utilise pour effectuer ces deux dernières maps, parce que c'est vrai que sinon tout ce qui est avant est extrêmement simple à passer. C'est à partir de là vraiment que ça bloque. Moi personnellement j'utilise cette team: Naruto Sexy Jutsu, double Madara, Kakashi, Naruto Rikudo et Hashirama. Le double Madara n'est pas obligatoire, c'est vrai que c'est un confort bien sûr, au moins un bien évidemment. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller booster mon petit Madara full habilité. Et on va déjà commencer déjà à tanker les premiers jutsu. Donc là c'est vrai qu'on a pas mal de chances de dodge, donc forcément ça aide. Ça aide beaucoup. Donc là ils vont tout envoyer sur mon sexy jutsu et mon Madara, et bon ils ont des chances de dodge. Voilà, il arrête pas de dodge mon Madara, 40% de chance, donc c'est assez énorme. Là aussi 40% de chance, encore miss. Vous comprenez pourquoi. Donc là on va bien se séparer, on va bien se mettre tout à droite de la map. L'objectif c'est vraiment de s'écarter un maximum. Donc là le boost d'attaque de 100% est énorme, c'est ce qui carry le plus. Donc là voilà, boost de 100%, regardez déjà la vie des personnages. Je peux vous dire déjà qu'il y en a qui sont pas très très bien. Donc là on va utiliser maintenant, je pensais Kakashi mais je pense pas qu'on va utiliser Kakashi. Je pense qu'on va utiliser là notre ami Madara, je pense que ça va être pas mal. Ouais, on va utiliser notre ami, notre deuxième Madara. Sinon, utilisez votre Kakashi. Mais là, je préfère utiliser Madara pour une chose, c'est qu'il ignore la substitution et pas le Kakashi. Et on sait très bien qu'il dodge énormément ces personnages. Donc là, voilà. Donc là, ils vont taper sur le Madara. C'est pas très très grave. Ils vont pas tous ulti. Il n'y en a que quelques-uns. Et là, on voit, voilà, il y a pas mal de dangers qui vont arriver. Et c'est là où justement le Hashirama va rentrer en jeu et va essayer de les jutsu seal. C'est le plus important. Si on peut tous les toucher, voilà, magnifique. Donc voilà, c'est là on va faire ça. Faut vraiment que ça seal le jutsu, c'est le plus important. Comme ça au moins ils vous font que des coups basiques. Et là franchement ça va rien nous faire. C'est parti, voilà, Hashirama, hop là, jutsu seal, voilà. Donc on a 3 jutsu seal, ce qui est déjà pas mal. Donc là ok, ça va partir sur Madara, c'est pas bien grave, ok, le miss. Vous voyez franchement que 40% en PvE, voilà, c'est vraiment grave. Hein. Pour ça, je vous conseille vraiment, si vous avez double Madara, de le faire. Bon, là, voilà, il y a Naruto Rikudo qui va débarquer avec l'ulti, qui lui aussi n'est pas dodgeable. Hein. Vous ne pouvez pas dodge l'ulti de Naruto Rikudo, c'est impossible. Donc là, voilà, je vais clear la map assez tranquillement. Donc, pas besoin d'unité d'anniversaire. Il y a même d'autres méthodes avec Kabuto Skill, qui lui aussi bloque le heal et le jutsu sealing. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le Kakashi. Et là normalement ça s'immisce pas, on va le terminer hein, Kakashi, énorme dégâts, 34 000. Voilà. Et là je vais vous montrer la petite technique on va dire que j'ai vu déjà sur YouTube. Je vais pas utiliser les mêmes personnages que la personne, c'était Jams. C'est vrai que j'avais pas pensé, j'utilisais pas ça comme technique, mais on va le faire. Donc là ça c'est la team aussi que je prépare toujours pour la dernière map, Kaguya et Sasuke Final Valley. Ce que je vous conseille en troisième team si vraiment vous savez pas quoi faire, mettez une team full sleep damage, c'est très 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 fort sur cette dernière partie de map. Vous devez la sacrifier cette team, vous en foutez clairement, sacrifiez-la, peu importe. Mais voilà, faut vraiment beaucoup de sleep damage parce que ce Naruto a énormément d'HP. Et je peux vous garantir que le sleep damage qu'on va lui mettre, ça va déjà bien entamer le personnage. Donc déjà un sleep damage, 11 000 hein, déjà, hein. 11 000, vous avez bien vu. 11 000, donc là on va mettre le deuxième sleep damage, si ça veut bien. Voilà, sleep damage, 22 000, vous avez vu. C'est pas grave si on meurt, c'est vraiment pas grave, on s'en fout, on a des persos derrière, donc peu importe. Hop là, donc là on va mettre le Rinnegan qui lui a 100%, donc on peut pas le rater. Hop là, sleep damage, 31 000 les gars, il prend 31 000. Donc là on va mettre maintenant le Madara Earth qui lui aussi a 100%. Vous voyez, franchement, je vous conseille vraiment de faire ça parce que les gars, ils se mangent 38 000 par tour. 38 000. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire que c'est, 38 000 par tour. C'est vraiment incroyable. En sachant qu'on a encore deux équipes derrière. Donc là, on risque par contre de mourir sûrement sur sa SP, bien sûr, hein, ce qui est normal. Mais bon, on a une équipe derrière, donc peu importe. Peu importe, franchement, peu importe.
En plus, c'est sur le body, donc franchement, j'ai un peu de chance pour le coup. Mais bon, je pense que ça me tue quand même. Ah non, ça me tue même pas. Bon, bah, là, le but, ça va être voilà, maintenant de taper. Voilà, on va juste taper, peu importe, pas grave. Le but, ça va être de se faire mourir. Ça va être le but. Hop là. Ok, mais vous avez vu, rien qu'avec... Là, j'ai fait 6 jutsu de perso. Juste jutsu, même pas ultimate, hein, juste jutsu. Et j'ai assez... Enfin, je l'ai mis plus de midlife. Vous voyez que vraiment c'est extrêmement fort cette team full sleep damage, c'est vraiment très très fort. Elle peut mourir, hein, c'est pas grave, on a encore une équipe derrière, donc peu importe. Peu importe. Le sleep damage, je sais pas encore il y en a pour pendant combien de tours, mais pendant bien longtemps encore. Mais je crois que je vais finir la map avec cette team, non je rigole, quand même pas, mais là on va en relancer un. On peut en lancer deux jutsu en sleep damage. Donc voilà, franchement c'est assez simple ce Ninja Road, la dernière map, vous pouvez soit burst, hein, ça c'est vous qui voyez. C'est comme vous voulez, moi j'aime bien cette technique, c'est pour ceux peut-être qui n'ont pas les personnages pour burst, genre comme Sasuke FV, c'est peut-être pas forcément ce que tout le monde a. Mais c'est toujours très très intéressant, voilà, ça veut dire personnage vite fait basique, hein. En plus c'est des personnages basiques, c'est ça le pire, hein. Bon bah là, on va remettre un coup de sleep damage. Oh putain, le fail. Bon, le fail, c'est pas grave. Ça, c'était le bon fail. Je pouvais encore mettre du sleep damage. Bon, c'est pas très très grave. Et là, on va utiliser maintenant cette team-là. Donc là, on va faire ulti de Sasuke FV. Là, vous pouvez mettre n'importe quel body qui fait vraiment mal avec Kaguya. Ou vous pouvez prendre votre autre équipe pour terminer la map. Et voilà, là, en vrai, voilà, là, ça va être vite vu. Sleep damage qui fait encore des dégâts. Ouais, c'est incroyable, franchement, sleep damage. Et là, vous prenez Kaguya et on va terminer normalement, tranquillement, les deux dernières maps. On aura mis 6 minutes. Et encore, je me suis fail avec le Sasuke. J'aurais pu faire peut-être en 5 minutes. Mais voilà, en 5 minutes, c'est plié. Les deux maps pliées en 5 minutes, tranquillo. Voilà, faut juste du sleep damage. Après, faut du burst. Voilà, ces deux teams, c'est très très fort. La team d'avant... Voilà, vous faites pareil, pas besoin de double Madara, ça marche très très bien. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo, un peu tuto, on va dire, entre guillemets, mais si bon, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà réussi. Et pour ceux qui galéraient, voilà, n'oubliez pas le sleep damage sur la dernière map pour le Naruto, c'est hyper hyper important. Vous avez vu des dégâts qui sont montés à 38 000 par tour, les gars, c'est énormissime. Voilà, balancez du sleep damage, on s'en fout, vous avez deux autres teams derrière qui finiront le personnage. En tout cas, voilà, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, c'était Zoka, ciao tout le monde.